Acte au chapitre 2 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, parthes, Mède, et lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, ⁇ Que veut dire ceci ?⁇ Mais d'autres se moquaient, et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Merci Seigneur, parce que, eh bien, c'est sur ta parole, Seigneur, que se base l'apôtre Pierre, Seigneur, pour justifier ce qu'il se passe. C'est vrai, Seigneur. C'est sur ta parole, Seigneur, que nous appuyons, Seigneur, mon Dieu, pour œuvrer en ton nom. Amen. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est vrai, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est comme une carte, Seigneur. Nous montrons le chemin, Seigneur mon Dieu, à combien nous ne sommes pas perdus, Seigneur, c'est ta parole, Seigneur, qui nous nourrit et nous enseigne. Toi soit la gloire, Père Amen. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, Amen. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au mieux de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir de la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui Je voyais constamment le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, Alléluia. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, et tu me rempliras de joie par ta préscience, par ta présence. Homme, frère, qui me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité, selon la chair, pour le faire asseoir sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Alléluia. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qu'il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même Le Seigneur a dit à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres Hommes frères, que ferons-nous Pierre leur dit Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce qu'après la Pentecôte, Seigneur, après le baptême du Saint-Esprit, tes disciples ont pu continuer l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que c'est ton Esprit Saint qui nous donne de pouvoir continuer ton œuvre encore aujourd'hui. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il leur conjurait, les exhortait, disant Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes, Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. À ton nom soit la gloire, Seigneur mon Dieu, parce que aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, ce que ton cœur désire, c'est que tous les hommes soient sauvés, qu'ils se repentent, qu'ils aient la vie éternelle en Jésus-Christ. À toi soit la gloire, Père. Amen.